Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui à la piscine d'Aulnay-sous-Bois pour un moment historique pour le club de Noisy, Sarco 93, match qualificatif pour la future phase de poule de la Ligue des Champions. Alors aujourd'hui c'est le troisième tour qualificatif, une phase de jeu qui se déroule pas totalement comme les autres. D'habitude, jusque-là on avait l'habitude d'avoir des groupes avec plusieurs équipes et on joue tout un week-end et les premiers qualifiés passaient au second tour. Alors ça c'était au second tour, là cette fois c'est un match, une sorte de barrage, aller-retour. On va commencer nous, Noisy, à recevoir ce premier match aujourd'hui. On va recevoir une équipe de Vouliagmeni, une équipe grecque qui a fini deuxième de son dernier championnat. Derrière l'Olympiakos, c'est un match assez indécis on va dire, avec deux équipes qui se valent pour Noisy. Ce serait vraiment une toute première dans l'histoire du club d'accéder à la phase de poule. Avec des champions aussi, ils se qualifient aujourd'hui. Pour vous l'admettre, ils ont un peu plus l'habitude, même si ça fait maintenant 10 ans qu'ils n'ont pas accepté à ce stade. Voilà pourquoi je parle d'un match indécis où tout va se jouer dans tous les instants. Alors que les équipes finissent leur échauffement, on aura la présentation des équipes dans 5 minutes maintenant. Ce que je peux vous dire en attendant, c'est que Noisy a fini premier de sa poule lors du deuxième tour qualificatif. Ils ont remporté tous leurs matchs, 4 matchs sur 4. Ils ont notamment battu le grand club monténégrin Herceg-Novi, ils ont aussi battu les Espagnols de Barcelona, les Roumains d'Oradea et puis enfin le club du Portugal, le Vitória Guimarães. Ouais, voilà, en ayant 12 points en 4 matchs, c'est quoi d'avance sur le second notamment. Et déjà là, c'est quelque chose d'exceptionnel pour le club francilien. Le club ancien de battre toutes ces équipes qui auparavant on n'a pas pu les battre. Notamment Herceg-Novi qui avait fini en finale de l'Eurocup il y a quelques saisons face à Marseille. Et puis du côté de Vouliagmeni, eux ils ont fini deuxième de leur poule. C'est pour ça qu'on les affronte aujourd'hui parce que les premiers devaient affronter les deuxièmes. Enfin, c'est un peu comme dans tous les sports. Même si le seul regret qu'on peut avoir aujourd'hui c'est de recevoir le match aller chez nous et pas là-bas. Commencer comme ça, on va s'y faire. Alors Vouliagmeni qui a fini deuxième de sa poule en ayant perdu seulement contre l'OSC Budapest, qui va jouer aussi, bon, on verra tout à l'heure sur les autres matchs, les autres barrages, mais Vouliagmeni qui a fini donc derrière OSC Budapest et a notamment battu Tourcoing, club qu'on connaît bien en France, hein. Les enfants de l'équipe de Tourcoing qui sont un des favoris pour la qualification à la Ligue des Champions cette saison, qui sont l'un des favoris pour accéder à la finale notamment. Qui a été éliminé au second tour du coup de sa Ligue des Champions et qui joue en Eurocup. Et Vouliagmeni donc qui s'est qualifié. Et qui a fini donc premier tour, deuxième de son groupe parce qu'ils ont perdu justement contre la CBU Tapé, sinon c'était à égalité de points. Donc voilà, c'était pour faire un petit point tout simplement là-dessus. Alors que je vois les deux équipes maintenant sont sorties du bassin et vont pouvoir se présenter à nous. Les joueurs qui vont être à surveiller du côté de cette équipe de Vouliagmeni, notamment le capitaine, le numéro 10, Marios Kapotsis, qui a fini, qui a participé à la deuxième place de la Grèce lors des derniers JO, qui est revenu au club l'an dernier après avoir passé deux saisons à Steaua Bucarest et une saison à l'Olympiakos, meilleur club grec de l'Olympiakos. Il y a aussi le numéro 4 qui va être intéressant à suivre, le Kalogeropoulos. Qui a participé au dernier championnat du monde où la Grèce a fini 3ème, qui est pour l'instant le meilleur buteur du club en Ligue des Champions avec 11 réussites, 11 réalisations, dont 7 buts contre Tourcoing lors du dernier match, lors du second tour de qualification. Et puis un autre joueur à surveiller, c'est le numéro 6, Dimitrios Nikolaidis, qui a lui aussi participé au championnat du monde, qui a fini 3ème, au championnat d'Europe, lui aussi il a participé, où la Grèce a fini 5ème. Il vient de revenir du Spandau de Berlin, et il a gagné avec des champions, notamment avec Olympiakos en 2018. Alors qu'on salue, on va te présenter tout à l'heure le coup d'envoi qui avait donné par deux élus. Dans quelques instants, la présentation des joueurs. À Noisy, sinon les joueurs surveillés bien sûr,
notre meilleur buteur Antonio Petkovic, qui a fini deux fois meilleur buteur du championnat de France d'affilée, qui était aussi meilleur buteur du championnat quand il jouait en Italie, vice-champion olympique, même ça fait un moment maintenant qu'il n'est plus en sélection. Ça reste une des valeurs sûres, un des meilleurs shooters en tout cas du championnat de France. On a aussi l'américain Alexander Bowen, qui a été le meilleur buteur du dernier championnat du monde. Lui qui vient en provenance du Partizan de Belgrade, qui est arrivé cette saison, qui a joué en Grèce aussi. J'ai vu qu'il y a deux, d'ailleurs, il y a deux joueurs américains qui jouent du côté de Vouliagmeni. Beaucoup de joueurs américains qui jouent dans ce championnat. Encore forcément, Alexander Bowen connaît beaucoup de joueurs de cette équipe. Il avait joué à l'Apollon Smyrnis. Alexander Bowen, il a mis pour l'instant 7 buts dans ce concours de qualification à la Ligue des Champions. Et puis aussi Drasko Gogov de côté de Noisy, puisqu'il a fini finaliste la saison passée de la Ligue des Champions avec Novi Beograd. Et il a fait un bon début aussi de championnat, Drasko Gogov. Il a mis notamment 4 buts lors de la première journée du championnat face à Reims, avant d'en mettre 2 face à Samis la semaine dernière. Alors que là, ça y est, tout me paraît en place, les joueurs qui se présentent face au public, qui est donc la présentation des équipes que je vais vous laisser écouter maintenant dans quelques secondes. On va commencer bien sûr par l'équipe visiteuse. Now we'll introduce the players. The Polytechnic Black Duke NC Vouliagmeni for the red team of NC Vouliagmeni, number 1, Paniotis Sorzatos. Number 2, number 2, Asterenis Chavi Moukoulos. Number 3, Nikolaos Kastranakis. Number 4, Estafianos Kalochopoulos. Number 5, Shalamopoulos Poulos. Number 6, Dimitrios Nikolaidis. Number 7, Nikolaos Pasafifakis. Number 8, Dylan Robert Wilhelm. Number 9, Ayelis Alafakis. Number 10, Marios Kapoxis. Number 11, Nicolas Kouroubaïs. Number 12, Matthew James Farmer. Number 13, Emmanuel Condrealis. Trainer Vladimir Vujinovic. On a voté d'abord l'équipe du PSC Vujinovic. The referees today are Mr. Bush from Spain.
Mr. Schwartz from Israel, and the TWPC delegate, Mr. Plevich. Thank you, we make some noise! Voilà, pour la présentation des deux équipes, avec une belle ambiance mise par les jeunes aujourd'hui. À la piscine Donetsk-Poix, donc un Israélien et un Espagnol qui sont arbitrés aujourd'hui. Alors on va pouvoir voir dans quelques instants qui est sort pour débuter de chaque côté. Un match intéressant, c'est au niveau des deux entraîneurs, les Serbes. À partir de 19h, les trois autres rencontres, avec notamment retrouver des belles équipes comme Grecia, double demi-finaliste des deux dernières éditions. On va aussi trouver l'OSC Budapest, double champion, double vainqueur de Ligue des Champions, grand club européen, grand club de Hongrie, aussi les Jadran Split, club croate. Qui sont a priori E3 les favoris de leur confrontation. Ça va en quelques instants. Voilà, le cri de la grue. Belle ambiance hein, au niveau du public. Alors, l'équipe grecque qui va commencer avec son gardien international Tortatos, le numéro 2 du coup, le capitaine Marios Kapoutsis, numéro 2 Chalivopoulos, numéro 8 Dylan Boudet, un des deux américains, la base numéro 5, en fait, numéro 6, donc Kaljoropoulos, meilleur buteur du club, Charles Postroulos, numéro 5 et numéro 6, Dimitrios Nikolaidis aussi. Alors, match pour surveiller. On a Rémi Garceau. Alors, Rémi Garceau dans les cages, Rémi Sautadier, Denis Guérin, Drasko Gokov, Denis Carmo, Denis Le Carmo à gauche. Et alors que là, David Comet a remporté son premier duel. Attention, on n'a pas vu, il voulait faire la passe derrière à Denis Guérin, je crois. Alors que là, première contre-attaque déjà. Allez, pas de faute, David. Oh, le faute, ça s'arrête. Le poteau, ça retombe sur Rémi Garceau. Nikolaidis qui s'était trouvé face à Rémi Garceau. Là, il va falloir être vigilant, c'est un match très important, un gros match aujourd'hui. Allez, Guérin avec Gogov. Et premier arrêt. Tsorsaros, Tortatos pardon, face à Drasko Gogov. Oh,
aussi sur Gogoff. Et l'exclusion, première exclusion du numéro 8. Il va tout de suite céder sa place. Ah ouais, Camilo Carbo. Premier but de ce match sur la première de plus. Suite à l'exclusion, il a tout d'aide. Son septième but dans cette compétition pour l'instant, après ses trois buts inscrits notamment face au Vitória de Match lors du dernier match, on va commander peut-être une contre-faute là. Alors il va avancer tranquillement, Chalivopoulos. Alors encore 9 secondes de possession pour les Grecs. Si on retrouve Chalivopoulos. Encore le poteau qui s'ouvre une nouvelle fois, Rémi Garceau. C'est Alafragis qui avait trouvé le poteau de Rémi Garceau. Allez, la possibilité de faire ce break pour cette deuxième offensive. Allez, deuxième exclusion pour les Grecs cette fois, c'est celle du numéro 10. Deuxième arrêt du gardien grec, encore une fois face à Drasko Gogoff. Ah, première action de Mazien. Celle de Guérin. Et le but qui va être... On va valider le but. Et la contre-attaque derrière d'Antonio Petkovic. Allez, Petkovic qui va devoir attendre. Pas si rapide. Oh, le shoot d'Antonio Petkovic était un peu plus de 7 mètres. Et pour l'instant, bon début de match. Du gardien international grec. 3 arrières pour lui en un peu moins de 3 minutes. Et là le but de Dimitrios Nikolaidis, comme je disais, vainqueur de la Ligue des Champions avec l'Olympiakos il y a 3 ans. Donc ça fait un partout. Et finalement encore un arrêt de Tortatos face à l'international américain. Alors encore 8 secondes de possession pour les Grecs. Encore un poteau hein. Pas de chance là-dessus. Voilà, cette fois, c'était Kael Giropoulos qui avait tenté sa chance. Derrière
tout comme Sharon Lampos-Croulos du côté grec. Le score est désormais de 2-1 en faveur du cercle de Montréal. Alors l'exclusion, seconde blessure, celle dans ce match. Celle de Bowen, je crois. Ah, et le but derrière la bonne plus est bien joué. Et le but de numéro 9 pour le MC, Julian Grenier. Yannis Alafrakis. Alafrakis qui inscrit son premier but de la rencontre sur une belle passe de Chalivopoulos. Allez, le public, faites du bruit, faites du bruit! De partout, alors qu'il manque. On va faire un changement dans les derniers instants pour les Grecs. Il va falloir pousser toute la partie du buteur. Faites du bruit! L'entrée de Capotis. Carmo, il y a Soudadi qui fait un bel appel. Soudadi au duel avec Kourouvanis. Il y a contre-feu de Rémi Soudadi. Il pousse un peu trop son adversaire. Allez, il faut défendre là. Allez, pour les Grecs, ça reste en faveur des Grecs. La possession, on fait une faute sur Bowen. Non, c'est Bowen qui est coupable de la faute, qui va être exclu. Deuxième exclusion, je prends un point Alexander Bowen. Et le pénalty derrière provoqué par De Carmo. Alors est-ce que c'est Kalogiropoulos, le spécialiste des tirs au but, qui va s'essayer face à Garceau? Ouais, c'est ça. Allez pour le 3-2, on va rester à 2-2, allez Rémi Garceau. Ah, malheureusement sous son bras, bien placé ce pénalty. Kalogiropoulos. Et ça fait 3-2, première fois que les Grecs prennent l'avantage dans cette rencontre. Et la sortie derrière du buteur et l'entrée de Troulos. Depuis le début de cette rencontre, le FC Roulier a gagné. Allez, encore 3 minutes à jouer. 3 buts à 2. Dans ce premier carton. Allez, le public, on les encourage, faites du bruit. Alors, contre faute encore. Allez, De Carmo, faut vite revenir. Voilà, c'est bon. Attention, ici défait d'Emile Bjork, le numéro 12 grec, et pénalty derrière encore. Et première exclusion d'Emile Bjork dans ce match. Après la faute sur Matthew Farmer. Alors cette fois, c'est Papasifakis qui va se trouver face à Garceau. Est-ce qu'elle est placée aussi à gauche? Non, cette fois c'était à droite, la lucarne. Et sur son premier shoot, le numéro 7 qui inscrit le premier but de son équipe. Quatrième but de son équipe, pardon. Et les joueurs de Bulia Kmeni qui font le break maintenant. On va remettre rapide en point du coup, à la place de Rémi Sodadier. D'affilée les contre-fautes. Oh, belle. Bon long ballon là, Charivopoulos.
Oh, dommage. Est-ce qu'elle a la patte touchée par Rémi Garceau? Premier chou dans ce match de Capotis qui a trouvé donc la transversale. Allez, de Carmo. Une expulsion enfin cette fois. Et le pénalty derrière. Allez, alors là, c'est déjà du numéro 4. Ensuite, je crois que c'était le numéro 5. Ouais, c'est ça. Et le pénalty donc est tenté par Antonio Petkovic, spécialiste. Allez, pour son deuxième but du match, peut-être Antonio. Il se retrouve face à Panagiotis, force à sauce. À gauche, qui cette fois a tiré sur sa droite. Ça vient. La critique n'a rien pu faire là-dessus. On revient à but, 4-3. Il reste 1 minute 50 de jeu dans ce premier quart-temps. Trois changements d'un coup côté grec. Belle pose en pointe et la faute derrière, penalty provoquée par Rémi Sodadier. Première expulsion de Rémi. La faute sur Nicolas Guiz, donc amène le penalty. Cette fois, c'est le numéro 5 qui va se trouver face à Garceau. Alors, Koulos face à Garceau. Au-dessus de la tête. Le gardien, premier but de Toulouse aujourd'hui. 5-3, on prend le but d'avance du côté des Grecs. Alors pas de changement, on reste avec les mêmes. Et encore 1 minute 20 à jouer dans cette première période. Allez, David Comet qui se décale sur la droite aux 2 mètres. 5 mètres pardon. Et alors qu'on essaie de provoquer les plus mains côté Noisy, on joue à deux pointes. Allez, faut tirer. Il a préféré laisser la possession grecque Rasko Gogov. Voilà, attention, il y a 50 secondes. Allez, faute simple de Gogov. Allez, encore 10 secondes de possession pour les Grecs. Il va être tout seul face au gardien, non? C'est pas sa chance. Oh, le capitaine qui trouve la barre encore. Alors, corner. Allez, le public, faites du bruit! La 10 qui était donc aux 2 mètres. Allez, dernière attaque, 3 secondes, il va tirer. Allez, David, faut tirer. Oh, il n'a pas vu le chrono, David. Par le public lui disait. On voit l'on skid sur cette première période avec ce score de 5-3. On se retrouve dans 2 minutes pour la seconde période. Thank you.
Allez, de retour à la piscine pour le début de la seconde période de ce match entre Nozy et Voulagmini. Pour l'instant, 5 points en faveur des Grecs dans cette première période. Alors que du côté, on va commencer avec Garso Krapic, Bogov et Docarmo à gauche, le Niger en défense pointe, Petkovic à droite. Et c'est parti pour David Comen qui va se retrouver face à Tchalivopoulos pour la qui passe de l'Ivano. Et David qui est largement plus rapide. C'était encore une fois Toulos. Il va jouer avec un Toulos à sa droite. En défense pointe. On a Farmer. On a également Kourouvanis dans le bassin. La bonne défense d'ailleurs de Farmer. Et à gauche, on va jouer du coup avec, comme je le disais, Tchalivopoulos et le capitaine Marios Kapotsis. Alors 15 secondes encore de possession pour les Grecs. Ah, le bon décalage et le sauvetage derrière. C'est quel jour de pause qui s'est essayé. Trouvé par Krapic et pénalty derrière. Oh là là, j'ai l'impression que toutes les situations de jeu sont les mêmes un peu. On a l'exclusion et puis derrière toujours le pénalty qui est trouvé. Dans le public, il y a Drasco. Drasco. Premier but de Gogov dans ce match. Et c'était sur un penalty. On est décision pour les Grecs. Voilà, alors Tchalivopoulos qui va jouer sur Tchalivopoulos. Il y a ces deux secondes, malheureusement, il a un peu obligé de tirer. Hein. Tel Giropoulos, si ça passe au-dessus. Allez, la possibilité de revenir à égalité, là, avec Anthony Petkovic. L'exclusion qui peut nous aider en plus du numéro 11. Ah, le shoot contré du bras, allez, ça retourne. Pour Nozy. Allez,
David. Oh l'arrêt. Oh l'arrêt réflexe de. De Sorsato. Très bel arrêt. Ah, Rémi, il semble que c'était son premier shoot. Ouais, premier shoot pour Rémi qui passe au-dessus, qui trouve le bras du gardien. C'était pas non plus évident, il était un peu reculé, Rémi, pour tirer. Allez, le public, réveillez-vous ! Alors, 5 secondes, il va falloir tirer côté grec. Alors, Capotis, il va devoir tirer une seconde. Ah, il a pas vu le chrono. Et le ballon perdu. Sur l'aile. Allez, c'est toujours cette fois. Donc, Charlie Bopoulos. Allez, donc, t'as rentré seul. Oh là là là, encore un arrêt. Très très bon match en tout cas pour l'instant du gardien grec. Toujours 5-4, encore 4 minutes 45 pile à jouer avant la mi-temps. Ah, le ballon qui passe juste au-dessus des bras de Rémi Garceau, je crois. Et le but de Kourou Vanis. Pardon. Kourou Vanis qui inscrit son premier but du match. Permet à son équipe de reprendre deux buts d'avance. S'enchaînent les exclusions là, les Grecs depuis le début de ce second carton. Calogiropoulos. Et le Carmos qui va retenter, non. Il va jouer derrière sur Gogov. Comet. Petkovic. Allez, Petkovic, tiens, bon shoot. Oh, et encore un arrêt. Encore un arrêt. Tortsato. Allez, le public, il faut les encourager. Il faut les encourager. Septième arrêt. Grec. Cette rencontre. Encore 10 secondes de possession pour Vouliagmeni. Alors la faute simple d'Emile Björk. Nicolas Edis. Alors l'exclusion de Gogov. Elle perd le contrôle du ballon. Elle n'est pas sortie. C'est le second poteau. Le but de Nicolas Edis. Et but numéro 6 pour le FC Vouliagmeni. Nicolas Edis qui a pris son deuxième but aujourd'hui. Ça fait 3 buts d'avance. Alors qu'il va rester encore 3 minutes 30 dans ce second carton. Et le score est 7-4 pour les visiteurs. Allez, le public, il faut qu'on les encourage plus fort, ils ont besoin de vous! Ils ont besoin de vous! Allez, David. Pas de studio. Même pas le coup de Rémi Sautadier. Alors 10 secondes de possession. Oh là 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 là, ça fait 4 buts d'avance maintenant. Alors qu'il était tout seul, pas passif à tirer forcément. Pour tirer, temps mort demandé par Stéphane Siric. Qui voit ses joueurs en difficulté, 4 buts de retard maintenant. Il va rester un peu moins de 3 minutes, je crois.
en regardant avant d'arriver à la mi-temps. On va pas avoir marqué, il faut réduire les cartes de toute façon avant la mi-temps. Pour les joueurs de Noisy. Alors qu'on inscrit un seul but pour l'instant dans cette période, l'œuvre de Godov sur pénalty. Seulement 4 buts sur 9 exclusions, ça fait peu. Hein. 9 exclusions pour côté seulement 4 buts. Allez, on va partir avec Alexander Bowen. De Clermont, ouais, il s'est défait de son adversaire. Allez, ouais, la belle passe pour Godov. Oh là 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 là, encore un arrêt. Encore un arrêt de Tortsatos face à Godov. Le corner donc. De possession encore pour Noisy. Ouais, les pigeons ont trouvé cette fois par Krapic. La vague qui se. Première exclusion. Allez, deuxième but de cette période, deuxième but de Gogol 5-8. Un problème avec son bonnet, il va faire le changer. Allez, Krapic qui va devoir céder sa place à Rémi Sulati. On va faire aussi un changement. Côté grec avec un pied de Capotis à la place de Tchalivopoulos. Encore 1 minute 50 de jeu dans le second quart-temps, 5-9 pour l'instant. Je disais aussi qu'il y a un problème. 5-8 plutôt. Sûrement, il y a un bon espace, ouais, il y a un bel espace pour tirer. Koubanis. 15 qui sont deuxième but dans cette période, le numéro 11 de Vouliagmeni. La plupart de ces joueurs qui ont été champions du monde junior. Hein. Beaucoup d'internationaux dans cette équipe grecque, de toute façon, quasiment tous le sont, je crois que ce soit en junior ou en senior. Par Sodadi. Allez, là, sont tous pour le cercle 93. Allez, De Carmo qui va pouvoir avancer. Et ça rentre. Et c'est encore Godov. Godov qui a décidé de prendre totalement les commandes du shoot. Du shoot cotonoisien. Ça fait 3 buts d'affilée pour lui. Troisième but dans cette rencontre, troisième but dans cette période pour notre Serbe qui avait déjà été l'auteur de 8 buts lors du second tour de qualification. En faveur de l'équipe viteuse, par un score de 9 à 6. La dernière minute de ce second quart-temps.
fallait pas encaisser là. 8 secondes encore de possession pour Bouli Agmeni. Il est mort demandé derrière par le coach de Bouli Agmeni. Ouais, voilà. Après l'esprit de York. Deuxième exclusion dans ce match pour notre numéro 4. Et le club grec qui a la possibilité de reprendre 4 buts d'avance avant la pause. Ce sera peut-être la dernière offensive que l'on verra dans ce second quart-temps. Dernière ou avant-dernière en tout cas. Les Noisiens déjà en place. Garceau qui donne une dernière consigne à ses coéquipiers, notamment à Ivan Trapic. Allez, les 30 dernières secondes de ce carton. Mandel encore. On va retrouver encore sur Mandel. On va jouer à ça entre le gros, je vois pas c'est qui en face. Le côté derrière. Alors penalty pardon. Voilà, faute de David Comet. Pacifakis, qui est arrivé cet été à Bouli Agmeni. Je suis dans un autre club grec. Fille de Piristeri. Rémi Garceau qui était parti d'un côté, finalement il a tiré au milieu. Pacifakis. Second but pour lui dans cette période. Et c'est son troisième but du match sur deux pénaltys inscrits. 12 secondes, il va rester derrière. Alors, on est à 7. On avait un de plus côté grec, on allait faire un changement. Allez, 8 dernières secondes, Denis Guérin. Est-ce qu'il va devoir tirer ou est-ce qu'il va avoir le temps de trouver la place? Il va tirer. Oh, et l'arrêt. 2 secondes et on va se quitter à la fin de cette première mi-temps. On est 6 à 10, 4 buts d'avance pour Bouli Agmeni. On va se retrouver nous dans 3 minutes maintenant pour le début du troisième quart-temps. Thank you.
retrouve pour le début dans quelques instants du troisième carton du match entre le Sarrou 93 et le MC Bouliagmeni. Pour l'instant 6-10 en faveur des Grecs. Encore deux périodes pour réduire l'écart. Le Dito Carmo qui va aller au duel au sprint. Je ne vois pas en face ces Camille Nero pour Bouliagmeni. Un problème de chrono, on a mis les 8 minutes. Pourtant, on remet les scores, ok. On a 10 et de l'autre côté 6. Allez, public, allez, vas-y. On va être mis à jour. Allez, on va pouvoir repartir. Vas-y. Allez, c'est parti. Allez, Tocarmo. Au sprint. Allez, 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 allez. Ouais. Il a été plus rapide. Chalimopoulos. La première position de ce troisième carton sera Pavoisi. Ah, on va faire pas de solution. On va trouver Boena sur sa droite. Alors, pas de faute. Et le ballon est récupéré par les Grecs. Derrière le pénalty encore. Oh là 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 là, pénalty de Bowen, je crois que c'est sa troisième esquive. À notre numéro 9. Ah, c'est dur, c'est dur pour Noisy, la tête de notre numéro 9. Et derrière. La transformation du penalty par Charles Lampos-Toulos. Et ça fait son deuxième but aujourd'hui au numéro 5 de Bouliagmeni. Et permet à son équipe de prendre 5 buts d'avance. Le score est désormais de 11 à 6. Sur Saudadier, encore une fois la récupération propre des joueurs grecs. Alors capot de 6. Il va rester 10 secondes encore de possession. Allez Denis, faut y aller. Bon, la part derrière, on tombe sur la barre. Allez, allez, tout bien, tu peux avancer. Allez, l'autre côté pour Denis Docarmo. Petkovic qui va jouer. Encore une fois sur la pointe, et toujours pas de faute. Trois fois d'affilée, aucune faute est sifflée, ce qui entraîne la colère de Stéphane Sirich notamment. Au cercle 93. Allez, deux premiers garçons qui ont fraché pour quitter. Allez, Denis Guérin. Oh, le contrôle, attention, Gogol.
pas sûr que c'est la meilleure solution, il y avait encore un peu de temps. Encore 5 minutes. Non, troisième carton. Petkovic, je ne comprends pas vraiment. Les voisins ont un peu l'impression que tout se retourne contre eux là, avec les explosions, les mauvaises poses en pointe. Attention, on va encaisser un autre but. La barre par capotation, les Grecs qui vont pouvoir récupérer. Il est tout seul au second poteau, bel appel. C'est face à Garceau. Oh, la reste pas suffisant. Écoute, 6 buts maintenant, 6 buts d'écart. Petkovic qui va être un peu laissé au repos. On va faire entrer les jeunes maintenant. Et Dama notamment. Le score est désormais de 12 à 6 en faveur des visiteurs. Ah, cette fois pénalty. Troisième exclusion. Kyle Giropoulos. Allez, Drasko Gogov encore. Face à Tortatos. Ouais, passe au-dessus. De la tête du gardien. 4ème but personnel au but pour Drasko. 7-12, 5 buts d'écart. L'arrêt de Rémi Garceau. Face à Toulouse. Bizarrement, on est en train de prendre à jouer. Dans cette troisième période, l'exclusion. Non, contre-faute, pardon. David, faut presser. Bon, la belle passe. Le farmer, il me semble. Ah, il va chercher le pénalty, finalement. Il ira sur le but lui-même. À la practice. Et but de numéro 9 pour l'équipe visiteuse, Ioannis. Deuxième but pour Ioannis à la practice. Qui a participé au dernier championnat d'Europe à la Frakis avec la Grèce. Où ils ont fini 5e. On est sorti de Gogov. Allez, le public, il faut continuer à y croire, il faut continuer à pousser. Sortez-vous pour notre équipe. Allez, vas-y. Alors l'exclusion, celle du numéro 9, deuxième exclusion,
à la fracisse. Allez, Denis, il est de carton. Il y a un trou, le gardien. Oh 2 minutes 10, encore à jouer. Dans ce troisième carton, ça rappelle du score 7 à 13 en faveur des Grecs. Du numéro 6 et le temps mort demandé par Stéphane Siric. Alors Nicolas dit combien de tiers exclusion, c'est ça, seconde. Il me semble que le temps mort demandé par Stéphane Siric. Martin Noisin qui prend un 3-1 dans cette période. Qui ont un peu de mal pour l'instant. Carmo shoot. Bonne défense là de Trapic pour Nicolas Edis. Il met peut-être une petite exclusion là pour Rosy. De possession pour le 5.93. Allez, 6 secondes maintenant. Oh là là, quel but de Trapic! Elle est pas mal, hein. Tête de la Croatie. C'est avec toute sa rage qu'elle met un super but. Oh, c'est le premier but. C'est son premier but à Ivan Trapic dans ce match. Voilà, 8-13, 5 buts d'écart. Et derrière, il va céder sa place, notre numéro 10. Le score est désormais de 13. Alors, 25 dernières secondes de cette troisième période. On va rester à ce score de 8-13, ouais. Arrête de Rémi Garceau. Allez le public. Ça capte le 10. Allez le public. Faut faute. Garceau, ça a fait une bonne période. Hein. Et après, du coup, troisième carton sur le score de 8 à 13. On va se retrouver maintenant dans 2 minutes pour l'ultime période de ce match.
Allez, on se retrouve maintenant pour la dernière période de ce match entre le cercle 93 et le Cyprien Méli. On va repartir avec deux Carmo Spring côté Noisien. Les Grecs ne sont pas encore en place. Arak Noisien va redébuter avec Gogov. À côté des deux Carmo, il y a Rémi Soudadier aussi qui va démarrer en pointe. Guérin en défense pointe. Petkovic et Comet à droite. De l'autre côté, on a Chalimopoulos encore une fois qui va se confronter à Doc Armo. À sa gauche, on aura Koubanis. Allez pour la dernière, on va faire un max. Farmer aussi, mais Woodhead. Gardien, on ne change pas. Willy Agmeni qui remporte l'ultime sprint de cette rencontre. Et donc, on va démarrer avec d'autres côtés. Vous l'avez mis en pointe, ça va être Nicolas Ziz. Et à gauche, on aura Koulos et Papasifakis. Allez, ça passe au-dessus, Papasifakis. Seul encore à la Fraki, c'est peut-être un problème de défense hein, du côté Noisy. Depuis quelques temps de jeu maintenant. Et le but de numéro 9 pour le NC Bouillard Ayonis à la Fraki. Allez le public! Les Grecs qui reprennent 5 minutes d'avance. Allez le public! Encore 6 minutes.
20 à jouer. Allez David, on met avec Guerra. Et shoot contré de Petkovic. En 6 minutes à jouer. Allez le public, on continue à pousser, faites du bruit. Faites du bruit. Chalimopoulos. Et but de numéro 2 pour le Mexique Boulogne. Aristelis Chalimopoulos. Très beau but inscrit par le numéro 2 grec. C'est combien de buts de lui pour son match? Deuxième but personnel. Pour Aristelis Chalimopoulos. Quatrième but dans la compétition. Victoire de Bouliagmeni. La victoire paraît très très loin, il faut au moins essayer de réduire au maximum les cas. Et c'est mieux match pour là-bas. On va continuer à pousser juste sur chute de Papacic à Tisco, la rebond, c'est passé le trou. Allez le public, faites du bruit, faites du bruit. Allez, allez David Comet maintenant. On va pouvoir recentrer. Allez, exclusion trouvée, ça faisait un petit moment, on n'avait pas trouvé d'exclusion. De Farmel de Courbanisme. Passé à côté encore de Papacifakis. Ça fait trois fois qu'il tente sa chance, trois fois qu'il échoue en ce carton. Alors comme est-ce que avoir une bonne vision du jeu avec Gogoff. Et la pression Brasco qui va tenter sa chance maintenant, Bisco encore. Ouais, Gogoff. Encore un but. 93, cinquième but personnel dans ce match. Pour l'ancien finaliste de la Ligue des Champions, l'ancien champion de Serbie. Son 13e but au total dans la compétition. 10-15, 5 buts d'écart, encore 3 minutes sont à jouer. Allez le public. Allez la contre-faute à l'aller. Allez le but, ça tout seul. Peut-être qu'il va pouvoir avancer. Allez, David Comet avec Petkovic. Elle a été touchée, ouais, corner.
l'un des premiers shoots de David Comet dans cette partie, il me semble. C'est le premier shoot d'ailleurs de David Comet dans ce match. Alors l'exclusion derrière, bien, bien trouvé. Troisième exclusion pour le numéro 8 de Vouliagmeni. Allez, 10 secondes de possession, 7 de plus. Ouais, Antonio Petkovic qui inscrit ce deuxième but dans cette période. Et cinquième but personnel, un close-up pour lui dans ce match. Ça fait 11-15. Donc je suis en train de voir que dans ce match on aura eu quasiment que des buts de numéro 8 et 7. Troisième exclusion, le match est fini pour notre numéro 4. Ouais, l'arrêt de Carso. Un peu encore réduire l'écart. Il va rester 1 minute 20 maintenant. Ah, derrière, on ne peut pas plier un Vespa Passif à Kiss. Le numéro 7 pour le S, Nicolas Ross. Qui sont premier but de la période. En 16. Allez, il va rester une ou deux possibilités pour marquer, il faut absolument les mettre au fond maintenant. Réduire l'écart au maximum avant de le retrouver là-bas la semaine prochaine. Et nous entrons dans la dernière minute de cette partie. This is the last minute of the game. Comme vous l'avez entendu, dernière minute de ce match. Et dernier temps mort de cette rencontre. Le score 60 to 11. Ça c'est déjà remis en place.
contre. Interception de Krapichatson derrière à la récupération. Oh, ils vont récupérer le ballon, les Grecs. Ça fait 11-17, 6 buts d'écart maintenant. Il va rester une seconde de jeu. Et Gogo, c'est un porté qui tire à peu près le match compliqué. Donc, pour Moisy aujourd'hui, 6 buts d'écart, 6 buts à rattraper la semaine prochaine à. En Grèce, à vous la finie. La tâche s'annonce vraiment compliquée pour nos joueurs. Allez, on applaudit. On va faire maintenant, c'est peut-être se lancer une petite page de pub, d'une ou deux minutes. Puis après, on va se retrouver pour parler rapidement des autres matchs qui ont débuté. Thank you.
mon premier match. Ouais. J'en avais jamais vu. On va parler du coup. Ouais, non, c'est la première fois. Et puis du coup, comment ça s'est passé pour accueillir le match? Ah, j'en sais trop rien. Au pire, en fait, on va te parler juste. Ouais, on parlera de René, ouais. Comment vous avez accueilli ça. Ouais. Allez, de retour à la piscine de Daulnay-sous-Bois. Et je récupère avec moi la première adjointe à la mairie de Daulnay-sous-Bois, Madame Haroun. Bonjour Madame. Bonjour. Alors, c'était une première pour vous ce match à Aulnay? Alors, c'était une totale première, et pour Aulnay, et pour moi à titre personnel d'ailleurs. D'ailleurs, c'est quoi alors? Je trouve ça incroyable. C'est un sport, je pense, un des plus difficiles qui puisse exister. Parce que quand je vois les performances à avoir physiques, je suis impressionnée. Vraiment. On voit bien les actions, ouais. Les combats dans l'eau. Alors on voit les combats dans l'eau, j'ose imaginer ce qui se passe en dessous. Ça doit être quelque chose, mais des fois on voit des têtes qui baissent, on voit des actions un peu plus virulentes, mais vraiment je suis très impressionnée. Pour René, c'est une première compétition comme ça que vous accueillez ou... Oui, dans ce cadre, c'est une première puisque notre piscine est toute neuve, ouais. Et elle est surtout vouée à accueillir les entraînements pour les JO 2024. Ouais. Donc, on commence tout juste effectivement à toucher du doigt des sports d'une catégorie, je dirais là, pro. En tout cas, c'est un beau complexe, on peut le voir. C'est de quand cette piscine? Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Et du coup, il n'y a pas encore de waterpolo au sein de... Je ne sais pas s'il y a un jour prévu de waterpolo au sein de la ville. Pour l'instant, ça peut être une question qui se pose. Nous, on a c'est un délégataire qui nous accompagne sur la gestion de la piscine. Mais je pense qu'au niveau structurantal, ça doit être quelque chose qui pourrait tout à fait être bienvenu à Aulnay. Ouais. Parce que c'est le genre de sport, effectivement, qui, à mon avis, demande une maîtrise dans tous les domaines. Ça se voit. Il faut avoir le matériel, mais... intellectuellement et mentalement, je pense que ça doit être quand même quelque chose d'assez, d'assez fort. Et je pense que ça pourrait rentrer tout à fait dans l'état d'esprit de le mettre. Du coup, si on n'a pas un club de natation, c'est ça? Oui. Le club est juste placé, sur le savoir nager, oui, c'est okay. un bon club, mais qui a repris il y a 2 ans après un arrêt de 5 ans. Donc voilà, on n'est pas petit à petit. Juste après le Covid, vous avez... Juste après le Covid, on est reparti. Ouais. Et du coup, si on peut parler de la ville un peu plus sur... sur l'aspect sportif, qu'est-ce qu'on peut y faire si les gens veulent s'intéresser, par exemple, pour venir faire un sport à Aulnay? Qu'est-ce qui est intéressant à... À ce jour, moi, je dirais la piscine, puisque de toute façon, elle est toute neuve et qu'il y a quand même plein d'activités. Et sinon, c'est vrai qu'à Aulnay, on est un peu plus, je dirais, boxe et foot, bien évidemment, avec Moussa Sissoko et Aouloudiara. Ah, Moussa, le foot. Footballeur qui sort de chez nous. Ouais. Ok, qui est sorti de là. Des clubs de l'air. Ouais. Okay. Et vous avez qui d'autre, vous m'avez dit? Aloudira. Aloudira, ah oui, c'est grand champion, vice-champion du monde, etc. Tout à fait. Ok, c'est très bien. Du coup, vous ne savez pas comment ça s'est passé pour l'organisation? Non, pour l'organisation, j'en sais fiche rien. Je sais que j'ai accueilli l'événement à bras ouverts. Vous avez été tenu au courant quand de ça allait? Un moment déjà. Oui, il y a un moment. En tout cas, on vous remercie de nous avoir accueillis ici. Eh ben, avec grand plaisir. Un super match, malheureusement, on a perdu. Ça c'est gaze. Ça c'est dommage. C'est compliqué. Mais en tout cas, merci. C'était compliqué, mais c'était un super niveau. Ouais, c'était un super. Vous savez, Noisy, c'est un petit club qui comment fais-tu progresser? Je ne sais pas si on vous a raconté ou pas. Mais enfin, pour un petit club, je trouve que franchement, il y a de la matière. Ok. Franchement. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec nous. C'était très sympathique. Ouais. Et puis, bon courage, on peut revenir, on croise les doigts. On croise les doigts pour le match retour, En effet, 6 buts d'écart, en effet. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Si on peut revenir, si on refait la Ligue des Champions ou quoi que ce soit, si vous pouvez nous accueillir tout encore une fois. C'est très sympa. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci. Bonne fin de soirée. Vous aussi. Je vous le rends. Merci. Voilà, du coup, pour la première interview, on va voir si d'autres sont attendus derrière. Je ne sais pas, avec les joueurs qui ont perdu, c'est peut-être compliqué pour eux de faire l'interview. Donc du coup, pour rappel, 16-11 pour Voulia Gmini pour l'instant. Dans ce match aller, ça va être compliqué avec le match retour, franchement, là-bas. Ce que je voulais parler, c'est des autres rencontres qui vont avoir lieu. On a notamment une rencontre entre l'OSC Budapest qui
qui est double vainqueur de cette compétition, même si ça fait un petit moment qu'ils n'ont pas joué le haut du tableau, même si c'était dans la phase de poule la saison passée. Et face à le Panionios, alors normalement OSC Budapest devrait passer. Panionios c'est un club grec qui, comme Vouliagmeni, un club grec qui n'a pas fait de compétition de la LEN organisée par la LEN depuis maintenant une petite dizaine d'années. Donc a priori pour l'OSC Budapest ça devrait passer. On a un autre match entre le club hongrois de Vazas contre les Italiens de Brescia. Brescia qui est le deuxième meilleur club d'Italie après Proreco qui on le rappelle est double tenant du titre de la Ligue des Champions, et Brescia qui se trouve à la seconde place. Et puis je donne le micro. Et puis la dernière rencontre va se jouer entre les Croates du Jadran Split, eux aussi ont gagné deux fois la Ligue des Champions. Et face à eux, on aura les Roumains, une petite surprise qui est dans le même groupe de Noisy, les Roumains d'Oradea, qui vont donc affronter les joueurs de Jadran Split. Et donc ces matchs qui vont débuter, qui vont être intéressants. Je ne sais pas si j'ai de la connexion internet pour voir d'ailleurs pour l'instant comment ça se passe au niveau de ces rencontres. Alors, c'est un avantage. Je vais essayer de voir, sinon on va essayer de parler de l'Eurocup. Hein. Il y a les clubs français qui sont tous en compétition. Le club de... Ah, on va avoir une interview peut-être. Bravo, Panayoti. Tu prends quoi ? I push it or something or... No, just pick. Okay. Sorry, I'm like... Where's the glass? Vas-y, mets-toi. Bah, tout est comme tu veux. Bah, ou là. Hello, thank you for coming after the match. What is the feelings after the amazing match? It was a very good game. I think. C'était vraiment un très bon jeu. I translate. Okay. I think both teams show passion in this game. Both of us wanted to go to the next phase. Les deux équipes sont vraiment très engagées, très motivées, et c'était un vraiment très bon jeu. It's a very important result for us. It's a huge difference, but it's not over yet. C'était vraiment un match très important, mais tout n'est pas encore gagné. And are you confident for the next match? Yes, we are confident, but we have to play like a 0-0. It's a complete different game. Nous sommes vraiment confiants de jouer en Grèce, mais ça va être un jeu totalement différent. And in your opinion, what is the secret of the win today? I think we played with a lot of energy. We swim a lot, and we play very good in extra men and in men less. Nous avons vraiment joué avec beaucoup d'énergie, et c'était notre motivation aussi qui a fait que on a gagné aujourd'hui. Thank you very much. Thank you. Bye. Alors maintenant, alors voilà, merci Laetitia pour la traduction. Merci pour tout. On va attendre juste l'entraîneur, je crois, maintenant. Dans quelques minutes. Attends, ce que je vous disais, c'était quoi? C'était les clubs français en Coupe d'Europe, si je peux vous dire. Avec les équipes qu'on retrouve, notamment Tourcoing qui a été rétrogradé en Eurocup après sa défaite au second tour de qualification avec des champions, notamment qui a affronté Vouliagmeni, et qui ont gagné hier leur match face à un club que Noisy a affronté d'ailleurs au second tour de qualification. Merci. Au second tour de qualification, c'était le SN Barcelona. On a également Strasbourg qui a remporté son match hier, et qui pour l'instant occupe la première place avec les Italiens de Savona. Par contre, ça a été un peu plus compliqué pour notamment le PAN, qui a perdu ses deux premiers matchs face au Jadran Herceg-Novi, qui avait affronté Noisy lors du précédent tour qualification avec des champions. Et puis Solaris Šibenik aussi. Ils ont perdu aussi contre Šibenik, le club croate. Alors que je vais essayer Laetitia. Tu fais une interview, Laetitia? Ouais. Alors, Laetitia, tu vas nous faire... C'est yes.
sais qu'elle nous fait l'interview avec le coach. Is a microphone. You can. Can I put here or here? No, you can just take it on the hand. Speak like this. Yeah. Okay. Can I sit? Oh, I don't. It's okay. I will sit. Sorry. C'est bon. I don't think we see you. Do you have something? Because it's wet. Nous allons chercher. Oh non. Look for it. Like this? So thank you very much for coming after the match. What is your feeling after the amazing match? Quel est vos sentiments après ce match incroyable? Look, I'm very satisfied about how we play. We are a very young team, and this is this game. It was a new experience for our team, and our players they played very good match, very focused for in every position, attack, defense, and so we did it. Okay, I translate. So, on était vraiment confiants, c'était vraiment une nouvelle expérience pour nous et on a été vraiment contents d'être aussi motivés et focus sur ce match. And are you confident for the next match we're gonna play in Greece, in your country? Yes, look, this game it's about 8 periods, not 4. So, we made the first 4 very good, but we have to play at least like today to win again against a very good team of Noisy, and we will wait them on our field, and I hope that we can defeat the 6 goals of difference. Nous sommes vraiment confiants pour le match de la semaine prochaine qui va se dérouler. On a vraiment une très très bonne équipe en face et aujourd'hui on a prouvé que on pouvait être vraiment fort. Okay, and what is in your opinion, what is the difference for you winning today? Well, it's moment. We are not better team. We had a very good moment this night. Aujourd'hui, on a gagné. C'était vraiment le moment. Nous sommes vraiment une team pas très forte en temps normal, mais voilà, c'était vraiment le moment de gagner. Nous l'avons fait. Thank you very much. Thank you. See you. Bye. Attends, juste de savoir s'il y a une interview après. On rend l'antenne. Je suis à l'antenne, pardon. Bah juste attendre peut-être une dernière interview, je crois, peut-être avec Rémi Saudadier. Il me semble le capitaine de l'équipe noisienne, peut-être qui va venir se présenter à nous dans quelques instants. Ouais, il doit s'habiller, attention Rémi, pour venir nous parler du coup de ce match. J'imagine que c'est pour lui ça peut être compliqué après ce genre de performance, on va dire, où vraiment c'était compliqué. Rémi qui arrive. Juste le micro. Ouais. Tu tiens où tu mets. Tu peux le tenir et tu le mets comme tu veux. Donc avec Rémi, du coup le capitaine 30 secondes, on attend juste. Oh, ouais, voilà, ça va. C'est bon comme ça. Plus de force.
D'accord, pas de soucis. Ah ouais, ah c'est bien ça. C'était compliqué la connexion. C'est quoi le pire signe? On a même pas pu mettre le temps qui tourne. Ah. C'était soit le temps, soit la redite en live. Bon ça va, j'ai parlé un petit peu du temps donc. C'est quoi le plus compliqué? C'est Bobigny, Montreuil ou ici? Et Bobigny ça va? Ah ça c'est bien. C'est peut-être le toit. Hein. C'est peut-être le toit pour que vous ne captez pas. Quand c'est en métal comme ça, tu captes pas. Samedi prochain. Ouais. Chez eux, on va voir. Ça va être compliqué. Ouais, 6 buts. Hein. Ah, surtout si on joue comme ça, et déjà si on arrive à gagner le match, ça sera bien. Je pense que l'arbitrage. L'arbitrage n'a pas été bon, ça c'est sûr, mais nous on n'a pas été bon, c'est nous surtout. C'est d'abord nous et après. Ils ont bien joué. Alors, on a pas bien joué. On y va avec Rémi Sodadier, le capitaine de. On parlait du match Rémi. Du coup aujourd'hui match compliqué, à ton avis qu'est-ce qui a fait la différence du côté de Vuliagmeni? Expérience, je sais pas. Je pense qu'ils ont un peu plus respecté les règles du jeu par rapport à nous. Nous on avait une tactique, on ne l'a pas forcément respectée, on ne s'est pas forcément réveillé, on ne s'est pas mis dans le match d'entrée. Et je pense que ce soir on a montré tout ce qu'il ne fallait pas montrer en fait. C'est dommage. Je pense qu'on est capable de faire beaucoup mieux que ce qu'on a fait ce soir. Et malheureusement, on a loupé le coche. Voilà. Après, il faut voir d'où on vient. Noisy, c'est un petit club. Chaque année, on essaye de progresser, de passer des nouvelles étapes. Cette fois-ci, c'était encore une nouvelle étape pour nous, pour le club. Et voilà, on va dire que c'est l'apprentissage. Et voilà, j'espère qu'on va réussir à corriger le tir la semaine prochaine, en fait. Il y a eu aussi un bon match, si tu peux parler juste du gardien d'en face qui a été plutôt bon, le gardien. C'est le deuxième gardien grec je crois. Oui, c'est un très bon gardien, il a fait une très bonne partie. Après le problème qu'on a eu aussi c'est que nous dès qu'on a commencé à prendre un peu de retard ou de but, on s'est précipité un peu en attaque. Ouais, voilà, on a voulu, chacun un peu à son tour, a voulu faire un peu le sauveur. Et voilà, on a précipité, ça a fait un effet boule de neige et au final ça a été plus contre-productif qu'autre chose en fait. Okay. Et pour le match retour du coup, comment on va essayer de tout donner quand même, ça va être compliqué, oui, c'est d'écart. Comment tu prends le match retour là-bas? Bien sûr, on va tout donner, il faudra essayer de gagner le match de 6 buts. On n'a plus rien à perdre maintenant, peut-être qu'on va pouvoir jouer relâché, peut-être qu'on va aussi on va un peu plus travailler nos points faibles sur ce match-là, on va essayer de travailler pour les corriger pour dans une semaine. On n'a plus rien à perdre, on va tout donner et voilà, on espère vraiment essayer de faire quelque chose chez eux maintenant, on n'a plus le choix. J'ai juste une dernière question sur le fait que le match se joue à domicile d'abord ici et là-bas après, est-ce que tu aurais préféré, toi, en tant que joueur, recevoir ce que vous avez fini premier du groupe en second tour. Tu aurais peut-être préféré jouer ce match retour ici. Je ne sais pas comment on aperçoit en tant que joueur. Est-ce que mentalement... Non, ça a ses avantages et ses inconvénients. Ouais. Chez nous, si on avait été capable de faire le break, si nous, on avait gagné justement de 5 buts, on serait parti chez eux avec un peu plus de tranquillité. Là, non, il n'y a rien à dire. Il y a juste là, vu comme on a joué ce soir, que ce soit chez nous, que ce soit chez eux, ça n'aurait rien trop changé en fait au final. Donc, non, j'ai pas de préférence. Il faut juste qu'on joue à notre niveau et peut-être qu'on pourra espérer quelque chose après. Et juste après, c'est ça, c'est pour peut-être les spectateurs qui le savent, moi-même, je sais pas. Là, si vous perdez, vous êtes rétrogradé en Eurocup ou rien du tout, il n'y a pas d'autres compétitions européennes derrière? Si, normalement, on est en
Et du coup, c'est quoi, c'est une tour de qualification 3 c'est, ou c'est 8e de finale, je sais pas comment. Là, honnêtement, j'ai même pas ouais. regardé. J'étais tellement focalisé sur la Ligue des Champions. Sur la Ligue des Champions, sur l'organisation du match, sur plein de choses. C'est vrai que c'est un truc que j'ai pas regardé. J'espérais vraiment qu'on passe ce tour. J'étais vraiment focalisé et ambitieux pour le club sur ce match-là. Et pour l'instant, c'est pas encore fini. On a encore une carte à jouer, donc j'ai même pas envie de penser à ça, de penser à l'Eurocup ou quoi que ce soit. Juste d'être focalisé sur le prochain match et voilà, en espérant qu'on arrive à faire un exploit et tout est possible en fait. Je te remercie Rémi d'avoir répondu aux questions. C'est pas facile après un match comme ça. Merci beaucoup et puis on te retrouve en championnat, je pense, j'imagine après. Oui, en championnat. Tout à fait. Face à Montpellier, je crois. Montpellier, tout à fait, ouais, c'est ça. Je te remercie, Rémi, beaucoup. Et puis bon retour, t'es pas très loin, mais... Ouais. Bonne soirée, au revoir. Et bon courage pour la semaine prochaine. Merci, au revoir. Hop. Je te remercie, Rémi. De rien. Merci. Voilà, merci à Rémi d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous tous d'avoir suivi le live. Comme je disais, les autres matchs de Ligue des Champions, ils ont lieu en ce moment. Vous pouvez les suivre sur le site de la LEN Champions League. Les matchs d'Eurocup aussi, vous pouvez suivre des clubs français qui jouent en ce moment. On essaie de m'interrompre pendant mon speech de fin. Voilà, donc bref, les autres matchs des clubs français qui ont lieu en Eurocup, vous pouvez regarder sur le site internet LEN Eurocup. Merci à tous de nous avoir suivis. Et puis, malgré ces situations compliquées, c'était compliqué pour nous avec la connexion. Enfin, bref, merci de nous avoir suivis en tout cas. Et puis, on se retrouvera du coup en championnat pour un match face à Montpellier en novembre. Bonne soirée et bon week-end.